Salut les guerriers! Ah ouais, c'est le micro là. Salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. De l'effet. Ah ouais, c'est vrai. Ah, j'étais chaud. Bah, on parle de nous maintenant, bah, on parle de nous. C'est vrai. Il y a des petits youtubeurs. C'est vrai. Un petit tac. Hop, il y a des petits youtubeurs qui parlent de nous. Mais on est là pour faire des fusions, t'as oublié quand même. Hein. Moi, je fais des fusions ou je pars sinon. Mais je sais plus, il a combien d'abonnés là? C'est mon Karim. Il a 2000 abonnés sur YouTube. Enfin, voilà. C'est déjà bien, c'est déjà très bien. Donc, si je me permets de dire petit, c'est parce qu'on l'a été nous aussi. Hein, non, et maintenant, on est au-dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il y a des youtubeurs qui font des vidéos sur nous maintenant. C'est vrai que c'est lourd. Avant, c'est nous qui faisions des vidéos sur les gens. Et je me souviens que lorsque t'es en dessous, tu regardes ceux d'en haut, t'as un pirate dans ta tête. Hein. Ouais. Tu veux détrôner tout le monde. Donc, tu vas commencer à parler de lui, d'Atel et tout. Et là, il a parlé de nous. C'est vrai. Et nous, quand on parle de nous, oui. On est là. On est là même 1h du matin ou bien pas. Bien sûr, on est là. Donc, il a fait un live pour parler des youtubeurs du Feed Game. C'est ça. Il a fait sa petite tier list en live sur Twitch. Et nous, on y était, les gars. On y était. Donc, dans le Feed Game. Pour Timon Karim, on fait partie du Feed Game. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Vraiment. C'est une petite victoire qu'on voulait partager avec vous. C'est ça. Sa vidéo, elle a pas fait beaucoup de vues. Donc, on va faire en retour de la pub comme il nous en a fait pendant son live. Bien sûr, c'est normal. Et on va regarder un peu cette vidéo qui est quand même pas mal intéressante. T'es prêt, Pimous? Bien sûr. Par contre, juste avant, j'aimerais bien qu'ils me disent, avant qu'on la lance, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de l'intro en commentaire? Non, mais il faut nous dire. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour tous nos projets. Bien sûr, c'est grâce qui à vous. Commencent à sortir www.fitnessfusion.fr. Et ouais, on est parti avec la vidéo de Timon Karim. Prochaine personne, prochaine team, on va dire cette fois, c'est Fitness Fusion. Alors, les potos de Fitness Fusion, sauf erreur, ils sont trois dans leur team. Ils nous considèrent comme ses amis. On est trois, ouais. Déjà, ils nous considèrent comme ses potes. Déjà, on est bien parti. Et pour moi, génétiquement, ils sont pas tous au même niveau. Il y a Bastos et Dijo, c'est donc là c'est Dijo et il a une bonne génétique. Franchement, merci, ça déjà c'est un bon point. Il a remarqué. Il a pas une génétique dégueulasse. Il a pas pris les meilleurs. Bon, après, photos, c'est... Hein. Regarde-moi la photo vraiment, qu'il prend. On dirait un Kosovo. Et je vous explique sur l'Instagram Fitness Fusion, vous voyez cette vidéo, cette photo, il faut swipe up à droite pour voir la transformation. Là c'était le avant. C'est la merde là. Et je suis sûr il va me traiter là. Bon après c'est quoi cette photo frère? Donne-moi des bonnes photos, je suis en train de parler de toi en bien là, donne-moi une bonne photo. Il a vraiment une bonne génétique. Solide, beau pec, bien défini, gros bras. Ils ont tous des gros bras, des combos bras-épaules assez... C'est suspect ça. Quand il a dit ça, je suis sûr que dans sa tête, il s'est dit, attends, c'est bizarre. Gros ça. Bras, épaules, ça c'est les trucs de dopé, ça les c'est sûr. Épaules, mais il n'y a pas voulu le dire, dis ce que tu penses. Assez solide, hein. QNT, j'aime bien. Il a vraiment le physique du beau gosse sur la plage, un peu, tu vois. Il veut me pécho, non? Il veut me pécho, ouais. Genre, gosse beau et tout. Du coup, physique solide. Bastos aussi, c'est plus ou moins les mêmes gabarits. Non, Bastos, c'est pas les mêmes gabarits, t'es fou. Ouais, mais il y a DJ placé. C'est pas les mêmes insertions. Il y a DJ placé Bastos ou Fitness Fusion? C'est vrai, Bastos fit dedans, on y va, allez. Allez, on attaque Kim aussi après, on y va, allez. Bah, on met Marvel aussi dedans. Tout le monde dedans, hein. Tout le monde fait partie de la FF, c'est ça. FF, c'est que de la fusion, les gars. Mais Ah, Pimous en live. Oh, il est là, il est là, Pimous. Allez, petit coquin, il me suit. Ah, Bastos fait plus partie de la FF. Ok, alors on va juger juste Dijo. Yeah! Un nouvel abonné rejoint le gang. Ah, la Pimous qui me follow maintenant. Merci, frérot, c'est un plaisir. Follow. Plaisir, hein. Ça fait plaisir. C'est pour qu'il nous brosse dans le bon sens. Ouais, je pense. T'inquiète. Pour pas qu'il dise qu'on est maigre. L'enfant. Yeah! Bienvenue sur Rachid, frérot. Donc Pimous est sur live. Donc en gros, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il était 1h du matin. On a reçu un message. Timon, il commence à parler de la FF sur son live. Donc Timon il est très actif sur Twitch, allez ouais. Le rejoindre. Et là il était 1h du matin. On est des gros chômeurs, hein. Nous, on s'est dit ça parle de on nous. On est des gros aller. Chômeurs. Ouais gros. Mais c'est quand même nouveau. D'habitude c'est nous qui parlons des gens. Là on commence à parler de nous. C'est vrai doucement. Et ça fait plaisir. Et du coup on était intrigués de savoir Feed Game. Et on est dedans, donc on est dans le Feed Game. Voilà. Donc on voulait savoir ce que les gens pensaient de nous, hein. Surtout Timon Karim quoi. Et Pimou s'est surveillé que je dise pas de bêtises sur lui.
C'est vrai, hein, je te jure, c'est ça, ça c'est ton rôle. Frère, toi, t'es le boomer. Si quelqu'un parle mal de nous, je frappe, frère, il sort les bras. Pimousse le chargé. Justement, Didio, donc très bon physique, mais pour moi, j'allais le dire avant qu'il arrive, du coup, maintenant. Après, normalement, quand on dit t'es chargé, ça devrait être négatif. C'est trop bien, gros. Bien. Moi, j'aime trop, gros. Eh, par contre, c'est quoi ça, attends? Quoi? Pourquoi il y a une seringue dans ça, là? Allez sur mon Insta, vous allez comprendre. On montre pas pourquoi. Ça me gêne un peu, ça va faire suceur. Mais pour moi, niveau génétique, Pimousse est quand même au-dessus. Le mec, il a une génétique assez incroyable. Donc on peut pas juger. Il te kiffe quand même. Ouais, mais t'as pas. Mais on est d'accord qu'il se trompe. Si on parle de génétique, c'est prétentieux de dire ça. Mais je sais, tu es au-dessus de Pimousse. Mais par contre, ouais, ça dépend pourquoi. Mais même génétique force. En fait. Ça dépend des objectifs, en fait. Ouais, parce que prise de masse, tu vas prendre plus esthétiquement, facilement. Esthétiquement, je suis une merguez. Je suis zéro. Ouais, c'est plus ça. Moi, quand je parle de génétique, c'est côté esthétique. Zéro. Mais c'est vrai que si on parle de prise de masse, tu vas prendre du muscle plus facilement que moi. Ouais, mais ancien gros. Hein. Mais moi, je vais pas galérer. Pour sécher, toi, tu vas galérer. Ouais, c'est la merde. Et moi, je vais pas galérer. C'est la merde atomique pour sécher. Mais Pimousse, il travaille beaucoup plus que moi. Je vais pas dire mieux non, que moi. Cette année, j'ai beaucoup plus travaillé. Ouais, c'est ça. Quand tu regardes le road to Pimousse sur les anciennes vidéos, tu travaillais très bien. Donc là, il m'a mis une longueur d'avance. Et en ce moment, c'est lui qui a un meilleur physique. Vous pouvez clairement le dire. Parce qu'il est très sec. Alors je sais pas niveau. Quand même, on voit. Non, là, j'étais pas. La veine sur l'épaule. Ouais, mais là, j'étais pas le plus sec que j'ai jamais été. Et toi, mec, du moment où tu stries sur les pecs, c'était sec. Non, je sais pas encore. Le plus sec, c'est la photo sur la piscine. Là, juste attends, attends, il va pas la mettre, je pense. Si, si, si. Niveau diète, ce que ça donne, bah il est là. Bah il est là. Ça, bah justement, c'est la photo du site internet. Yes. Allez-y, n'hésitez pas si vous voulez votre programme personnalisé. On a charbonné sur le site, sur la façon de vous suivre en fait. On a fait en sorte que ça soit simple et efficace de vous suivre. On a beaucoup travaillé là-dessus. C'est ça. Donc allez-y sur www.fitnessfusion.fr. Honnêtement, les prix sont dérisoires comparé à la qualité de travail qu'on a. Vraiment. Vous allez avoir du suivi sur 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, des programmes personnalisés. Des programmes personnalisés alimentaires, tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe là-bas. Exactement. Bah, il est là, Pimousse, il est là. Hein. Pimousse, tu peux niveau diète, t'es quoi? Est-ce que t'es kebab, tacos ouais. Ou est-ce que t'es clé? Tacos, il m'aurait dit golden. Parce que si t'as un physique comme ça avec des tacos, t'es chargé. C'est pas possible, t'es chargé. Les gars, on peut pas avoir un physique comme ça en mangeant des tacos et tout. Hein. Non, là, j'étais dans des diètes vraiment très très pointilleuses. Mettez-vous en tête. Que ce soit des chargés ou des non chargés, si vous voulez avoir un bon physique, il faut bien manger. Il n'y a pas de. Bien sûr. Il n'y a pas de secret. Clean avec ta diète. Je suis sec que en sèche et en diète strict BG. Ok, bon, mais mec, t'as. Non, moi, je vais faire comme s'il n'était pas là. Hein. Je vais partir de mon idée de base parce que il a une putain de génétique, gros. Il a des gros bras, il a des grosses épaules et surtout, il faut que je trouve une photo. Il est à moitié à poil là pour qu'on puisse se toucher. Quoi? Quoi? Je t'ai dit, il est bizarre. Karim, c'est un pote à Bastos, Karim, c'est sûr. DZ, non, c'est il n'y a pas de mettre bizarre chez les DZ, attention. Ouais. Hein. Surtout, il faut que je trouve une photo. Il est à moitié à poil là pour qu'on puisse se toucher. Quoi? Ouais, c'est dangereux. Mais je crois que c'est ses viewers qui sont dangereux. Ils sont encore plus dangereux que lui. Ils aiment bien regarder des mecs tout nus. Il a des gros pecs, sa mère. Voilà, il ment. Il ment. En plus, là, ils sont énormes tes pecs. J'ai des bons pecs. Ton mais point tout. Fort, c'est le dos, c'est les bras, tes triceps. Les abdos, c'est tout. Mais après, là, t'avais une bonne shape. Ouais, hein. Mais là, j'étais pas sec comparé à ce que je peux faire. Mais c'est pas... La photo piscine, c'est vraiment là où j'étais le mieux. Mais lui, il est impressionné de ton physique. Hein. Il est choqué. Il a des hanches un peu larges. Un peu, frère. Ouais. Ça, niveau esthétique, c'est la seule truc vraiment entre guillemets négatif que je vois. Mais putain, mais t'as que des. Sur vos thumbnails, vous êtes tous des photos de vous à moitié à poil tout le long et sur votre Instagram, il y a R. Ça, il y a raison. On va faire un effort sur nos Insta. On va mettre beaucoup piscine, plus de photos de qualité comme celle-ci là. De QNT, elle est pas mal. Mais il a des gros pecs, il a des abdos très visibles. Même quand il n'est pas sec, il a des abdos très 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 visibles. Cette photo-là, elle est incroyable. En plus, ça se voit, il n'y a pas mis une heure à la faire, tu vois. Je l'ai fait en 2-2. Voilà, tac. Par contre, on voit mon skeg, après je dis ça, je dis rien. Et on peut observer la gynécomastie qui n'est absolument pas présente. Voilà. Ah, parce que je sais que les gens, ils vont voir des abdos comme ça, ils vont se dire il est dopé. Il n'y a rien c'est là, des abdos juste, hein. Des abdos, tout le monde peut en avoir avec une diète. Hein. Allez, c'est parti. Très bons obliques, le doigt s'est développé, il a des gros bras sa mère, des grosses épaules, vraiment le combo pec, abdos, bras, épaules, c'est très solide. Il a sorti tous les muscles. Ouais, combo jambes, pec, pied, frère, tu dis tout aussi. Pour moi, il est au-dessus des autres.
Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Je vais le rattraper. Enfin, au-dessus de Didjo. Non, mais il a raison, il a raison. Ouais. Didjo, j'aurais mis quand même solide. Moi, j'étais dans à de mes meilleurs physiques. Pimousse, on passe à solide plus, voire golden. Mais moi, dans golden. Ah, pour vous, Didjo a meilleur... Il se défend. Là, je n'ai bien. Défendu. Parce que c'était en live, les gars. Donc, il y a les viewers de Timon Karim qui me défendaient là-dessus et qui disaient que j'étais au-dessus de Pimousse. Ah, j'étais bien. Et on était à deux sur le live et on s'expliquait, c'était vraiment marrant. Allez, on va leur faire un peu de pub pendant qu'on est là. Ouais, j'aime bien. Il est... Bien, va nous voir tout nu. On rend. Venu sur mon live, je suis obligé de passer leur chaîne maintenant. Dégueulasse cette image. C'est quand même un petit peu gay ce qu'on passe là. C'est un petit peu gay, des mecs qui se caressent. Qui se caressent. Bon, il est pas ultra sec là, mais il a un bon physique, il a une bonne génétique. Même s'il se fait caresser par un barbu. Il a des gros bras vraiment, Didjo. Mais Pimousse, le truc, c'est qu'il est, il a un physique qui donne, qui rend solide, tu vois. Il a un physique qui rend très solide, qui rend très carré, je sais pas comment dire. Tu vois le mec, un peu comme là, tous les mecs qui sont un peu petits, un peu carrés, la Bazinga, Thibaut InShape. Tu vois les mecs qui ont un physique, mais pas genre trapu, genre moche. Genre... C'est ça, Pimousse, quand vous le voyez en vrai, même stock. Habillé, il est stock. Petit mais carré, solide Mike aussi. Moi, je les mets en solide plus. Raphaël Cuesta, voilà. Ils m'envoient des liens, les gars. Aïe, 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 ils viennent. Ils sont pas là. Ils sont là. Ils sont dit. Il est en train d'enregistrer une vidéo. C'est comme ça qu'on va avoir les 100K, les gars. On va lui envoyer des vidéos de nous à poil. Il va les passer sur sa chaîne. Ça va nous faire un peu de pub. Ah, il s'est régalé ce soir-là. Ils sont malins. Ils sont là à 1h du matin. Ils méritent. Tu vois, Didjo, il a vraiment le physique de mec que tu vois sur YouPorn. Tu vois, dans la catégorie black on black, black on white. Écoute. Il nous sort des catégories du porn. Non mais c'est quoi cette catégorie? Black and white, c'est les noirs et les blancs en gros. Tu vois, dans la catégorie black on black, black on white. Les catégories gays spéciales. Catégorie gay spéciale. Mais je suis mort de rire. Karim, d'où ça devient l'idée de sortir le nom de cette catégorie? C'est un malade. Moi, c'est déjà allé. Elle s'affiche pas sur mon menu. Moi non plus, frérot. Je vous dirai pas comment je sais ça, mais on sait, on connaît la vérité. Il a des bonnes cuisses aussi, Pimout. À part ça, elle est quand même très très gay cette vidéo. Hey, on parle de bodybuilding, il faut se mettre à poil, je le dis en premier, faut arrêter de dire c'est gay, dès que des mecs sont... Notre corps, c'est notre vitrine. Tu vas dans un magasin de fringues, c'est des fringues qui vont mettre en vitrine. Bien sûr. Nous, on doit montrer comment on travaille. Logique. En petit slip, en petit casson, en train de poser, c'est du bodybuilding, si vous n'aimez pas ça, allez ailleurs. Mais là, ça fait quand même 10 minutes que je suis en train de voir un rebeu barbu en train de caresser. Là. Wesh, il respecte pas Maître Cal. Il l'appelle le rebeu barbu. Mais il a raison, gros. Tu l'as sorti du contexte, cette vidéo, c'est pas normal. Tu rentres dans une salle, tu vois un mec comme ça en train de caresser un autre mec sur sa cuisse. Ouais, non, c'est spécial. Moi, je me barre, gros. C'est spécial. Je me casse. Il y a des mecs comme Karim qui aiment aussi. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Faut respecter la vie de tout le monde. Bastos, il aime aussi, je crois. Allez. Caresser les cuisses de deux petits jeunes, ça va trop loin, les mecs. Garde ta tête. Il est mal à l'aise, garde. Pimousse, le pauvre, il est en train de se faire toucher. Moi, je suis pas venu là pour ça, frère. Antoine Fambonne. Et merde, j'ai renversé mon Strong. Ça y est, c'est fini, nous, déjà. Faut parler plus de nous. Donc voilà, il nous a mis dans Solid Plus. Je suis pas d'accord. La plupart de ses viewers, en direct, ils disaient tous Golden. Golden, clairement. Donc golden. Là, on était bien. La majorité des commentaires qu'on voyait, c'était Golden. On était content par rapport à ça. Bien sûr. Toi, si t'avais une catégorie que t'aurais voulu atteindre. Moi, je mérite d'être dans Golden. Après, j'aurais aimé être sur God. Hein. Mais on va pas se mentir, on fait pas le poids à côté d'un Mozango ou d'un Bazinga. Donc déjà, c'est clair, on n'a pas encore le niveau pour que Bazinga, quand je suis bien sec, je suis vraiment pas loin de lui. En fait, il faudrait comparer côte à côte parce qu'il est fort sur les selfies, hein, Bazinga. Ouais. Il achète tout le temps les derniers iPhones, ça le met bien en valeur, tu vois. Mais tu vois la photo où il est ici comme ça, bah celle dans la piscine, je suis presque pareil. Ouais, non, t'es... Je suis presque pareil. Je pense que si on met côte à côte en juin, là, on va essayer d'aller le voir, il y a moyen que les gens ils se disent Pimousse, il y a un gros level. Moi, j'aurais aimé être Alf Nachi, mais comme je ne suis pas à mon max du potentiel en ce moment, c'est normal qu'ils me mettent en solide plus. Mais bon, on est quand même dans la majorité des gros du feed game. Donc ça, c'est une belle victoire. C'est comme les doubles dragons. Double dragons, Alf Nachi, direct. En haut. Non, God. Joe, double dragon, à son top level, God. Je sais pas, je connais pas ses perfs. Il faudrait ses perfs. Pour être God, pour moi, il faut grosse perf plus gros physique. Si t'as pas les deux, c'est mort. Bon, de toute façon, on fera une tier list à nous aussi prochainement. On va écouter sa conclusion, là, qu'est-ce qu'il raconte, parce que je crois qu'il y avait des choses intéressantes. Je crois qu'il dit téléchargé. Non, je crois qu'il y avait des choses intéressantes. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, je vous l'ai dit, tout le feed game se situe dans la partie haute, parce que là, ça, c'est les lambda.
C'est-à-dire que la plupart de la population moyenne devrait se situer là. Et pourtant, dans le feed game, la plupart des gens se... Ah, donc, dans les lambda, il s'est mis quand même. Hein. Ouais, par contre, j'aurais pas mis Jean-Jean Bonne non plus. Hein. Non, mais on va pas juger sa tier list, on en fera une, au moins ça sera plus c'est clair. Vrai, on va en faire une. Se situe à partir du solide plus plus jusqu'au god, hein, la plupart des gens. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui percent dans le fitness ont quand même une génétique plutôt agréable. Après, il y a des exceptions comme Jean. Donc là, en gros, ceux qui font partie du fit game, c'est ceux qui ont une bonne génétique. En majorité, un physique solide plus ou au-delà. Donc nous, on a la chance d'être dans la catégorie solide plus. Donc on a le potentiel d'y arriver. On va essayer de gravir hein, les échelons parce que c'est pas normal. Parce que solide plus pour nous, c'est la première des catégories. Ouais. C'est pas celle qu'on veut. On veut au moins être en half nati, ce serait propre. Golden, déjà, ce serait bien. Après, si on arrive à atteindre le God, machallah. Hein. Moi, je vais détrôner Bazinga de toute façon, ça c'est clair et net. Voyons. Je vais lui prendre sa place. RTB, les gars, oubliez pas. Comme, je sais pas, Alex Levent, comme FKan. Et comme, bientôt, on l'espère, le petit Timon Garim qui est tout en bas pour l'instant, mais on l'espère, il sera toujours dans la mauvaise génétique, mais on espère qu'il sera, qu'au niveau de sa chaîne YouTube, au niveau de son nombre d'abonnés, au niveau de son contenu, au niveau du moment, à quel point il va percer et à quel point il réussira à faire des grandes choses dans le fit game, il sera tout en haut, tout bientôt. Et pour l'aider... C'est beau, hein. On est rêveur, hein. Quand on commence YouTube, on est motivé, on veut tout casser, hein. Et bah, allez lui donner de la force, hein. Allez vous abonner sur sa chaîne YouTube. Je suis quand même content d'être en solide plus plus, c'est mieux que d'être dans bonne. Moi, je pense qu'il nous a quand même bien classé. Je me serais mis quand même dans golden. Pour moi, il nous a mal jugé, mais il nous a bien classé. Ouais, en fait, il aurait fallu qu'il connaisse plus de trucs. Genre toi, ton potentiel maximum. Moi qui connaisse mes perfs aussi, parce qu'il n'a pas jugé aussi en fonction des perfs, alors que c'est important. Enfin, il y a trop de trucs qui rentrent en compte. Genre Bazinga, s'il est en rang god, c'est pas uniquement pour son physique. C'est parce qu'il est chaud partout, on le sait. Ouais, ouais, c'est ça aussi. Parce que je trouve quand même que Alex de Bodytime, par exemple, ou Joe de Double Dragon, ils ont un physique plus esthétique que Bazinga. Ouais. Mais après, il n'a pas jugé sur l'esthétisme, il a jugé sur la génétique. En gros, c'est facile pour eux. Nathan Mozango, c'est facile pour lui. Joe, c'est facile pour lui, gros. Clément, ouais, à un mois, il a récupéré son physique. Oui. Ce menteur-là. Donc, j'aurais dû être God. Bref. Après, ouais, il a aussi jugé en fonction de si les mecs cheatent tout le temps. Bazinga, il mange des tacos tous les deux jours, frère. C'était Fitness Fusion de la FF. Vous étiez en présence de Imous et Didio Force. C'est fun. J'ai un long bacon, c'est bon.